Voici comment vous abonner à nos vidéos. Il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez. Le thème de ce soir, c'est Danger, les faiblesses de Félix, Tshisekedi et leurs conséquences. Oui, c'est point fort. Après, nous allons mettre une illustration, une vidéo de la victoire de Fardissi sur le général autoproclamé Je t'aime. Plus un petit bonus des parlementaires de la base qui est en colère contre Félix Tshisekedi, il réclame l'arrestation de Vital Kamerhe pour leur théorie du complot. Voilà. Chers compatriotes, des faiblesses de Félix Tshisekedi. Nous constatons que ça fait un an et trois mois. Bientôt, nous allons commencer le quatrième mois. Nous constatons que Joseph Kabila n'est pas parti. Mais nous constatons aussi que le président Félix Tshisekedi a marqué certains points. Et notre correspondant de France l'avait coté à 4 sur 10, mais bon. Moi, je peux le coter à 5 sur 10. Voilà. Il y a d'abord le laxisme. Le laxisme, on le constate premièrement dans le programme des 100 premiers jours. On constate qu'il y a des fonds qui ont été détournés. Il y a eu une très grande lenteur à l'exécution de ces travaux-là. Et c'est après qu'ils se sont rendus compte que les travaux ne démarraient pas et d'autres allaient au ralenti suite à des détournements. Il y a eu d'abord cette histoire de 15 millions de dollars dans lesquels on a cité plusieurs fois le nom du conseiller du cabinet du président, Vital Kamerhe. Il n'a pas été inquiété depuis tout ce temps-là. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas été inquiété. Aucune convocation, à part aujourd'hui, la plainte déposée par l'ancien directeur général de la banque Rabobank. Et même, il ne s'est pas encore présenté. Est-ce qu'il se présentera? Il est où? Nous apprenons qu'il n'est pas dans le pays. C'est une rumeur, mais bon, on ne sait jamais. Serait-il en fuite? Où est-il parti? Il n'y a pas d'informations. Toutes les informations ne se retrouvent pas dans les journaux, hein, chers compatriotes. Voilà, pour les 100 jours, il y a eu des arrestations, toujours dans le domaine du laxisme. Hein? Laxisme et laxisme, bon, azote à la caca, donc azokani sabatouté. Ma conseiller naï, ceux qui, bazaba camarade entre eux, ceux qui, boyokani zambengenini, donc azola che caca. Laxisme, donc azokani sabangote. Donc laissez aller, hein. Donc on a vu un directeur général qui a créé une société en très peu de temps, un Libanais. Il n'a rien fait, ou il n'a pas fait grand chose dans la construction des maisons sociales. Bon, il s'est retrouvé dans la prison, il est toujours là jusqu'à présent.
Lui, c'est un exécutant, mais l'auteur principal, toujours Vital Kamerhe et qu'on cite plusieurs fois, il n'est pas inquiété. Il y a quoi entre le président de la République et son conseiller Vital Kamerhe? Depuis le commencement, les conseillers du président Félix Tshisekedi ont montré à la population leur train de vie scandaleux en se rendant dans des lieux populaires avec des jeeps de la présidence en faisant des scandales et tout ça. On lui a dit de nettoyer sa présence des conseillers. Il n'a touché à aucun conseiller jusqu'à ce que maintenant il y a des théories du complot qui se forment, qu'on est en train de tuer, d'empoisonner autour du président. Chers compatriotes, toujours dans le laxisme, dans le domaine militaire, les généraux condamnés, plutôt sanctionnés par l'Union européenne, certains à cause de leur massacre, ouais, surtout, bien qu'il ait marqué quelques points, puisque nous lui donnons quand même 5 sur 10, mais les principaux, comme John Numbi, c'est lui qui entretient les Bakata Katanga, il est l'auteur du massacre des adeptes de Bundu Dia Congo dans le Bas-Congo. Le même, il est auteur et il y a même un témoin qui demande qu'il soit extradé à Kinshasa pour qu'il témoigne. Il l'a vu dans une caméra. Un inspecteur de police, je crois. Je ne me souviens plus de son grade. Il est au Sénégal, il s'appelle Mouilamboui. On l'empêche toujours d'arriver à Kinshasa pour commencer ce procès-là. Il y a une faiblesse qui commande le pays. Et c'est le président Félix Tshisekedi où il dirige le pays à deux. Est-ce qu'il y a deux présidents de la République? Mais apparemment, c'est comme si... Pourquoi on ne peut pas mettre John Numbi dehors comme le demandent les Américains? Pourquoi Tango Faure est toujours là? Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Tant que le président Félix Tshisekedi ne met pas ces généraux-là dehors, son contrat, sa collaboration avec les Américains, vraiment, ce sera poussé au calendrier grec. Ça n'aura jamais lieu. Ce partenariat-là, jusqu'à présent, il n'y a aucun investisseur américain. Il le sait très bien. Qui l'empêche? C'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui commande. Jusqu'à preuve du contraire, le président ne peut pas nous démontrer le contraire. Là. Nous le voyons. C'est comme si Kabila commande une partie, il a une partie du pouvoir. Mais dans l'ordre de quel pourcentage? De 60-70% et lui n'a que 30? Peut-être. Pourtant, il a toutes les cartes. Il est président de la République. Il peut prendre une décision qui fait mal à Kabila. Le peuple congolais est là derrière. Et voilà, pendant qu'il temporise, pendant qu'il s'est dit que non, j'ai peut-être une carte. On lui a proposé beaucoup de choses, même dissoudre le Parlement et installer provisoirement... une assemblée constituante. On a vu ça dans certains autres pays. Tout ça, je sais. Et pendant qu'il dit je sais, il y a Kamerhe qui est en train de comploter avec Kabila. Peut-être Moïse Katumbi, on cite son nom plusieurs fois, parce qu'il ne donne pas sa position.
Il y a des armes qu'on avait saisies en Tanzanie, peut-être que d'autres armes avaient déjà traversé. John Numbi le sait, il les garde quelque part. Nous apprenons que Gédéon Kyungu a fait deux jours dans la résidence de John Numbi. Et on nous disait qu'il était en résidence surveillée. Chers compatriotes. Alors, de tout le plan qui se passe, de déstabilisation qui se passe à Beni, ils veulent le transposer maintenant au Katanga. Ils sont préparés à attaquer le Katanga. Ils ont des armes. Si le président de la République ne se ressaisit pas vite, les Bakata Katanga, ils ne vont pas réussir parce que les premiers sécessionnistes à l'époque de Tshombe, ils n'ont pas réussi. Bon, ils ont réussi, hein. Ils sont parvenus à se maintenir une année ou deux ans, à fabriquer leur propre monnaie, tout ça. Mais qui est derrière les Bakata Katanga? On le sait, c'est John Numbi, Joseph Kabila, Gédéon Kyungu, le rebelle, c'est l'homme de Joseph Kabila. Quand on l'a libéré, il portait une casquette avec la photo, l'effigie de Joseph Kabila. Ça n'a pas changé. Il a commis des massacres. Combien de têtes il a coupé au Katanga? Et Kabila s'est servi de lui dans les Kasaï comme de faux Kamuina Sapu, mais ils ont été démasqués, même l'Union européenne a fait ses enquêtes et a compris que c'est Gédéon qui a opéré dans le Kasaï. Ils ont massacré beaucoup de gens. Chers compatriotes. Voilà. L'impunité, c'est aussi... Oui, l'impunité, ça fait partie du laxisme, c'est-à-dire qu'ils regardent les crimes, ou même les crimes économiques, la corruption. On ne punit personne. On laisse faire. Laxisme. Le mot, c'est laxisme. L-A-X-I-S-M-E, le laxisme. Le laisser faire, quoi. Le président Félix Tshisekedi ne peut pas nous dire le contraire, parce qu'on le voit. Il y a beaucoup de choses qui ont été reprochées au conseiller Vidé Chimanga. Il y a des millions et des millions qui sont reprochés à Vital Kamerhe. Il y a Albert Yuma, à qui on reproche un dossier de 200 millions. Il est toujours là. On ne lui fait rien. Il y a toutes les sociétés, une quatre-vingtaine, oui, une nonantaine, des sociétés de Joseph Kabila et sa famille. Ils ne sont pas inquiétés. Et même jusqu'aujourd'hui, le président de la Cour constitutionnelle n'est pas nommé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, le président Félix Tshisekedi n'a que 20%, 30% du pouvoir. Tout le reste est dans les mains de Kabila. Ça se voit, on ne peut pas nous dire le contraire. Il est affaibli également en intérieur par les positions. Les positions du président du Sénat et de la présidente du Parlement. Le président du Sénat, Tambo et moi, s'oppose à lui dans le dossier du fait qu'il ait renoué des relations diplomatiques un peu privilégiées avec Israël. Oui. Et il y a Mabonde qui invite les anciens présidents du Parlement, en plus un Rwandais, un ancien vice-président, un Rwandais parce qu'il ne s'est jamais
naturalisé. Il est venu, on sait comment il est venu comme réfugié. Il fut étudiant à Lubumbashi, au Béroi, étudiant comme Rwandais, à l'école secondaire, ensuite son diplôme, à l'université, il redevient Congolais. Bon, il y a même un secrétaire académique qui a été inquiété là-dessus. Il avait perdu son travail au Katanga à cause de cette affaire. Un Rwandais qui ne s'est jamais naturalisé, Robert Roy. Et Mabonde les invite pour creuser encore dans le budget. Le budget qui est déjà à 85% ou 90% utilisé pour ne payer que les hauts fonctionnaires, les ministres, les présidents de ceci, de cela, du Parlement, du Sénat. Elle enfonce le clou en disant que, bon, ils vont recevoir une dotation de 400 000 dollars par an. Vous voyez ça? C'est pour détruire Félix Tshisekedi. Et maintenant, une autre faiblesse, arrive le coronavirus. Avec le coronavirus, ça veut dire que, bon, avec toutes les restrictions, ça veut dire que il n'y aura plus suffisamment de recettes fiscales. Le budget sera revu à la baisse. Ça va durer combien de temps, chers compatriotes? Ceux qui peuvent l'aider, comme les Américains, par exemple, le président ne fait aucun effort de s'émanciper de Joseph Kabila. Nous sommes en coalition. Détache-toi de Vital Kamerhe. Il n'y a pas que Vital Kamerhe dans l'UNC. Nous avons un accord. Mais finalement, ceux qui entourent le président de la République, je me demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bloque là-bas, hein? Qu'est-ce qui bloque? Il est président. Pourquoi et de quoi, hein? S'il y a quelque chose qui ne veut pas, il peut demander de l'aide extérieure pour se renforcer s'il n'est pas assez fort. Mais il a les Américains avec lui. Pourquoi il ne peut pas utiliser ce joker? Voilà pourquoi ils ne veulent rien faire, hein. Un jour, les Américains peuvent en avoir assez, hein, et se dire que voilà, lui, il dort trop, on va chercher quelqu'un d'autre. Ils sont capables. Ils l'ont déjà fait avec Laurent Désiré Kabila, qui ne voulait rien savoir des Occidentaux, des Européens, des Américains. Bon, ils ont cherché quelqu'un de lâche, quelqu'un de facile, quelqu'un à manipuler. Ils l'ont fait assassiner. Nous avons appris que Félix Tshisekedi a échappé à beaucoup d'attentats, à plus de 18 attentats. Au plus peut-être, mais bon, ce que j'ai appris de nos journalistes youtubeurs, j'ai entendu, il a raté la mort 18 fois. Mais s'il continue de cette façon-là, s'il ne prend pas le devant, un jour nous risquons d'apprendre que Félix Tshisekedi est mort du coronavirus, empoisonné, ou il a attrapé une balle. Parce que maintenant, Kabila, il se sent en danger avec les siens. Il se sent en danger avec les siens. Voilà ce qu'ils ont essayé de faire au Katanga. Le même jour, attaquer Lubumbashi, le même jour, attaquer Likasi, le même jour, Kasumbalesa. Chers compatriotes, et comme par hasard, Vital Kamerhe disparaît, il y a Zoé Kabila qui prend un avion médicalisé, qui s'en va, on ne sait pas où. Et ça, c'est une rumeur, c'est une information des parlementaires debout, chers compatriotes.
Le président Félix Tshisekedi s'est mis encore un autre dossier sur le dos contre les Américains. Il aurait signé un contrat dans le domaine du numérique avec la société chinoise Huawei. Chers compatriotes, vous savez très bien qu'il y a un conflit qui oppose les États-Unis avec la Chine à cause de la société Huawei. Ils ne veulent rien savoir de la société Huawei et ils ne veulent pas du tout voir cette société en Amérique. Et lui, qui est lié aux Américains par un partenariat privilégié, il va encore signer un contrat dans le numérique avec la société Huawei. Comment va-t-il faire? Va-t-il annuler cette signature-là? Ou comment va-t-il procéder? Parce que là, il devient l'ami de l'ennemi des États-Unis. Finalement, je me demande parfois qu'est-ce qui se passe avec les conseillers du président de la République à la présidence. Y a-t-il pas de stratégie? Et Didier Chimanga, il est là pourquoi? Il est conseiller du président en matière de stratégie. Qu'est-ce qui a manqué? Pour dire au président que, attention, tu signes avec ces gens-là. Ces gens-là sont les ennemis des États-Unis. Avec qui tu es lié par un partenariat privilégié qui n'est même pas à bout parce que tu ne parviens pas à éloigner les généraux. Tu ne parviens pas à éloigner ceux qui ne veulent pas dans le pays. La lutte contre la corruption et puis éloigner les généraux de Kabila. Et puis annuler tout simplement cette alliance-là, FCC cash, en dissolvant le Parlement. Alors, ce n'est pas encore au point, ce partenariat stratégique. Les Américains sont en train de lutter, chercher des voies et moyens pour parvenir à renforcer Félix Tshisekedi pour qu'il s'éloigne de Joseph Kabila. C'est comme s'il avait peur de lui. Ok, rira bien qui rira le dernier. Et si nous perdons le président Félix Tshisekedi, c'est reparti pour les souffrances au Congo, hein, et c'est reparti pour la dictature, peut-être aussi pour le démembrement du pays. Si nous perdons le président Félix Tshisekedi, hein. Voilà les conséquences de ces faiblesses de Félix Tshisekedi. Nous avons aujourd'hui les Bakata Katanga qui sont déterminés. J'ai vu un Congo disparu après avoir fait 2 jours dans la résidence de John Numbi. Il est où? Dans le maquis sûrement. Ils ont des armes cachées. Nous aurions entendu une rumeur selon laquelle John Numbi a une réserve de 3000 rebelles, 3000 militaires. Ils auraient même des mercenaires. Est-ce que le président Félix Tshisekedi est préparé aujourd'hui à entrer une telle rébellion dans le Katanga, alors que ce n'est pas encore tout à fait fini dans le Nord Kivu, l'Ituri, le Sud Kivu? En même temps, il y a une rébellion des rwandophones, les Ngoumina, tout ça, dans le plateau de Minembwe. Tout ça, c'est pas encore tout à fait au point. Ils disent que, bon, ils ont presque conquis les 85% de l'Est du Congo. Est-il préparé pour ça? Pendant qu'ils dorment, eux, ils se préparent. Ils se préparent pour attaquer. Hein. Il y a également un laxisme dans le chef
du comportement de Nemanja Nsemi. Il sort tout le temps, malgré l'état d'urgence, il sort tout le temps, il barre les routes, tout ça, sans aucun respect. Et il y a impunité, il n'est pas inquiété, on ne l'arrête pas, parce qu'il est Nemanja Nsemi. Zachary Bakenge, quelque chose. Il y a le gouverneur Gentili Ngobila qui n'obéit pas, ben, ça c'est dans le domaine aussi du laxisme, il n'obéit pas au président de la République, il obéit à Joseph Kabila. Voilà son comportement. Il prend des décisions, par exemple la décision du confinement. Là, c'est autour de ça, il y a un complot, une théorie de complot. J'ai dit une théorie du complot parce que, bon, moi personnellement, je ne sais pas prouver ça. La base de l'UDPS, le peuple, certains journalistes, certains internautes disent que c'est une théorie du complot. Alors, tout le monde s'est confiné et pendant le confinement, il y aurait peut-être un coup d'État ou des bandits qui iraient attaquer à gauche à droite. C'est ça qu'on apprend. Pour preuve, on donne l'exemple de ce qui s'est passé à Lubumbashi, à Likasi, à Kasumbalesa, chers compatriotes. Il y a plusieurs théories du complot autour du président de la République. On dit que derrière les théories du complot, il y a Vital Kamerhe d'abord. Ces théories de l'empoisonnement est étayée par le fait que pourquoi n'y a-t-il de morts, pourquoi y a-t-il de morts que autour du président de la République et qu'ils sont tous des balobas? Pourquoi aucun membre de l'UNC, conseiller à la présidence, n'est atteint du coronavirus? Alors, on pense qu'il y a une théorie du complot, parce qu'il n'y a que ceux-là qui meurent. Ah, oh, chers compatriotes, les solutions que nous, on prône, pas seulement nous, il y a la base, le peuple congolais. On va vous montrer une vidéo là-dessus. La base ne veut pas du tout de cette alliance-là, FCCKH. Président Tshisekedi, dissolvez le Parlement, n'ayez pas peur, n'ayez point peur. Dissolvez le Parlement. Les élections n'auront pas lieu tout de suite. Vous organisez une assemblée constituante de 100 personnes, 200 personnes, 300, c'est selon, ou même 500. Mais des personnalités choisies dans différentes couches de la population. Ça vous permettra, en attendant, de vous organiser pour organiser des élections législatives en temps voulu, c'est-à-dire après avoir récolté un certain montant. Mais vous avez les amis américains, ils peuvent vous prêter de l'argent. Et même chez nous, dans notre pays, si certaines sociétés payent leurs dettes, leurs dues, vous pouvez trouver de l'argent. Chez nous, il y en a. Toutes ces sociétés de Kabila, là, une centaine. Les sociétés de Zoé Kabila et tout ça, c'est tous, ils payent, tout le monde paye la douane. On ne va pas manquer 400 000 à 500 000 euros ou dollars pour des élections législatives. Hein. Rien que cela, monsieur le président. Voilà, ça c'est la meilleure des solutions.
l'Assemblée constituante, dissolver l'Assemblée constituante. Parce que en cette période du coronavirus, les recettes fiscales ont diminué, alors peut-être qu'il sera difficile de récolter le montant nécessaire. Mais c'est à vous de voir. Vous êtes président de la République. Il existe des voies et moyens. Il y a des pays amis. Hein. Ne soyez pas trop laxiste, monsieur le président de la République. Notre démocratie africaine doit être teintée légèrement d'un peu de dictature. Hein. C'est nos traditions africaines, nos chefs coutumiers. Nos chefs coutumiers sont des dictateurs, mais des doux dictateurs. Hein. Parce que si vous vous dites toujours état de droit, à l'européenne, ça ne fonctionne pas tout à fait. Hein. Et même ici en Europe, parfois, ils utilisent la force. Maintenant, vous avez décrété un état d'urgence. C'est à vous la parole et les décisions pendant l'état d'urgence. Pendant l'état d'urgence, c'est une forme de dictature douce hein, qui a lieu. Hein. Attention, faites attention à vous, monsieur le président de la République. La solution, notre solution, c'est celle-là. La théorie du complot, il ne faut pas la prendre à la légère. Pourquoi il y a beaucoup de morts autour de vous? Ne prenez pas ça à la légère. Nous apprenons aussi qu'il y a des espions étrangers au pays. On a vu les responsables de Rwanda Air qui sont à l'aéroport. On voit les mêmes figures, ils sont à l'armée. Photo à l'appui, à l'armée. Ces gens-là sont des espions. Il faut faire très attention avec ces gens-là. Ok, attention avec le Rwanda. Attention, Paul Kagame n'est pas votre ami. Paul Kagame n'est pas votre ami. C'est le fossoyeur du Congo avec Joseph Kabila. Voilà, nous nous arrêtons par ici, mais nous n'allons pas manquer de vous montrer une vidéo sur le général autoproclamé. Je t'aime. Bon, je ne connais pas son nom de famille, mais on l'appelle le général Je t'aime. Il s'est rendu avec 200 personnes. Ok, on va regarder. Ah, merci beaucoup. Nous sommes venus en tant que forces armées de la République démocratique du Congo, fêter une victoire que nous avons eue ensemble avec notre population. La reddition du groupe armé AFRC, dont commandé par le général autoproclamé Je t'aime. Cette reddition a été possible grâce à la collaboration avec notre population. Donc nous sommes venus montrer au monde entier que l'armée collabore bel et bien avec la population. Et les fruits, c'est cette reddition d'un groupe armé, non le moindre, avec tout cet arsenal militaire que nous vous avons présenté. Et qui sont les auteurs de cette sensibilisation qui fait qu'aujourd'hui nous puissions vivre cette reddition? C'est l'ONG OVINA, une ONG composée des fils et des filles de ces pays qui ont compris que la paix, la sécurité n'est pas seulement l'affaire des militaires, mais c'est l'affaire de tous. Voilà pourquoi ces frères congolais, soucieux de la paix, viennent de sensibiliser
nos frères que nous venons de vous présenter. Et c'est vraiment une joie pour toute la République démocratique du Congo. Peut-on avoir une idée en rapport avec le RAN? Effectivement, nous avons... il y a eu 200 et quelques rendus avec plus de 65 armes, tout calibre confondu. Major, nous voyons, il y a combien sont-elles et il y a combien d'hommes? Avant qu'on en arrive, je voulais ici, parce que nous avons encouragé Ovina, n'est-ce pas? Mais nous demandons aussi aux autres ONG, aux autres couches de la population, de suivre l'exemple de cette ONG, Ovina. C'est de cette façon-là qu'ensemble, nous pouvons pacifier notre zone de responsabilité. Mais aussi, il est très important pour nous de remercier les numéro 1 de la province du Nord-Kivu, son Excellence Karine Zanzoukassivita, pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de fournir pour aider l'armée à pacifier la province du Nord-Kivu, mais aussi les élus de Masisi. D'abord. Voilà, pour terminer ici, nous allons vous montrer une preuve que la base de l'UDPS en a ras-le-bol. La base de l'UDPS est fatiguée, ils en ont marre. Ils demandent au président de la République de se séparer immédiatement de Vital Kamerhe. Sinon, Vital Kamerhe risque de l'empoisonner. Et c'est peut-être sa mission, selon les parlementaires debout. Et puis, il demande au président de rompre cette alliance-là, UDPS-UNC, donc le cash. En plus, il demande la rupture de l'alliance FCC-Cash. Donc, les deux. Regardez. Alors, chers compatriotes, au revoir, Boutika Lamalamou, Benobi Kalambote, Wandugwa Penzi, Tuna Maliza, Tutaonana, Kesho, Pampangi Amono Yaluzoro, Benobi Kalambote, Betu Tamalana, Mbasi. Bala Betu Basuive, Shalai Bip, Netu Munana. Chikondo chikwabu kuvideo mukwabu. Ana lingo amboshila.